Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à WWE SmackDown pour une nouvelle série où je vais commenter des batailles royales. Et celle-là, c'était à SmackDown le 15 avril 2011 pour déterminer le nouveau challenger numéro 1 au titre poids lourd d'Alberto Del Rio. Et le premier entrant, plus de 2 mètres, plus de 200 kilos, de Big Show. De Big Show qui est clairement le favori parce que pour le faire passer par la troisième corde, va falloir s'y mettre à plusieurs. Regardez-moi, il passe par-dessus la troisième corde. Tellement il a des grandes jambes. Alberto Del Rio. Et voilà, tous les catcheurs sont rentrés dans le ring. On voit Wade Barrett, Tyler X Slater, Brodus Clay, Trent Barretta, Ezekiel Jackson, Chavo Guerrero, Cody Rhodes, Christian. Et là, l'autre grand favori, plus de 2 mètres 15, The Big Red Monster Kane. Et là, tous les catcheurs, sauf le Big Show, s'écartent apparemment pour laisser place au Big Red Monster Kane. Il y a des gros morceaux comme Kane, le Big Show, Brodus Clay, ces trois-là, ça va être très dur. Allez, c'est parti! Et Kane qui s'en prend à Jack Swagger. On a vu Wade Barrett qui s'en prend à Trent Barretta. On voit Heath Slater qui s'en prend à Chavo Guerrero. Big Show qui s'est pris GTG. Et ben voilà, un éliminé, GDG. On va pas faire, il est passé par-dessus la troisième corde, sinon il y en aura trop. Et Alberto Del Rio qui est content. Ouh, et Chris Masters également, qu'on a vu. On voit Drew McIntyre qui s'en prend à Kofi Kingston. Oh non, Trent Barretta, je pense que non. Je pense que non. Oh, Rey Mysterio en danger par Cody Rhodes. Et Trent Barretta éliminé par le Big Show déjà. Deux éliminations sur deux pour le Big Show. Ezekiel Jackson qui frappe Jack Swagger avec l'aide de Heath Slater, de membres de The Core. Non, c'est pas Heath Slater, si. Non, c'est Kurt Hawkins, excusez-moi. C'est vrai que Ezekiel Jackson, je l'ai pas dit dans les gros morceaux, mais c'en est un quand même. Hein. Au Royal Rumble 2011, il a éliminé The Big Show tout seul et Heath Slater qui va se faire éliminer par le Big Show et le Carol Punch. Oh mon dieu, le KO Punch qui a calmé Heath Slater. Oh attention! Oh le Big Show! Le Big Show qui élimine Ezekiel Jackson et qui s'auto-élimine! Et voilà, Alberto Del Rio, il est content bien sûr. Hein. Albert, oh mon dieu! Ils sont passés tous les deux par la troisième corde tellement le Big Show avait pris d'élan. Il a éliminé un gros morceau mais il s'est éliminé tout seul. Il reste quand même Bros Clay, Kane en gros morceau, mais il reste quand même Rey Mysterio, Jack Swagger, Kofi Kingston, Chris Masters, ça c'est des favoris. Et moi j'aimerais bien voir un petit Tyler Rex qu'on n'a pas vraiment vu en haut de l'affiche gagner un catcheur très intéressant. Là, Yoshitatsu. Yoshitatsu qui a déjà gagné une bataille royale d'avant WrestleMania, il me semble que c'était WrestleMania 26, et regardez-moi cette double élimination là. Attention, Kofi Kingston qui va peut-être se faire éliminer par Swagger et McIntyre. Kingston, McIntyre, une longue histoire. Attention, Yoshitatsu qui est en éliminé, je ne sais qui. Ou Chavito, non là il prend trop de risques, Chavo. Et pareil pour Cody, avec Rey Mysterio également une longue histoire. Alors Chavo était parti derrière les cordes, je sais pas ce qu'il était parti faire. Attention, Yoshitatsu avec ses low kicks. Faut faire gaffe à Yoshitatsu. Oh, Cody Rhodes. Non, 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 là, il est dans une position dangereuse. Oui, à Chris Masters derrière. Oh, mais pourquoi il l'a pas poussé? Oh là là, mais. Chris Masters, il avait juste à le pousser, il est éliminé là. Oh. Et là, Yoshitatsu qui est pris dans le coin par Kurt Hawkins, c'est Drew McIntyre et Wade Barrett. Wade Barrett qui tente d'être éliminé par Kofi Kingston et Kane. Mais il revient dans le ring. Au centre du ring, Drew, dans Tyler Rex et Justin Gabriel, qu'on n'avait pas vu.
Oula, ça... Oh, Justin! Non! Justin Guerrero qui pourra certainement pas placer son 450 Splash dans ce match, tout comme Rey Mysterio avec son 619. Attention! Ouf, et Cody Rhodes qui veut pas lâcher Rey Mysterio. Hein. Et Justin Gabriel qui continue avec Tyler Rex. Chavo Guerrero qui tente d'éliminer Curt Hawkins. Ouh, il a 3 sur Chris Masters et Drew McIntyre et Wade Barrett qui s'en prennent à deux, les deux, un écossais, un anglais, c'est des, oh, je sais plus. Attention, Cody Rhodes qui est passé par-dessus la troisième corde, mais est-ce qu'il va être éliminé ou le poteau, non? Oh, attention. Oh, magnifique! Magnifique, Ray qui élimine Cody Rhodes mais de quelle manière? Alberto Del Rio, il aimerait pas que ce soit, Rey Mysterio. Attention, Rey Mysterio, Rey Mysterio qui va passer. Non! Oh mon Dieu! À la manière d'un Royal Rumble qu'il avait déjà gagné. Je ne sais plus quelle année, 2000, 2000, 2000, 2000, 5, il me semble. En 2006, pardon, c'est le 2006 qu'il a gagné. Face à, quand il élimine Randy Orton de cette façon, et là, c'est Curt Hawkins. Il y a une petite différence de niveau. Attention, Chris Masters qui tente le Master Lock sur Drew McIntyre qui était sur un troisième corps de Produce Clay qui vient tel un bus, c'est le cas de le dire, éliminer Drew McIntyre. Oula, Chavo non, faut pas faire ça. Oh, Ray qui va repartir peut-être pour la même manière, je ne sais pas sur qui. Sur, non, je ne vois pas. Oh, Chavo éliminé, voilà. Ah, là, ça commence à... Assez clair, si, il y a quand même encore des noms favoris comme Yoshitatsu, Justin Gabriel. Et voilà, là, les deux monstres au centre du ring. Oh, les droites de Kane qui commence avec une sous la glotte. Attention, oh, le coup de la corde, je n'en sais ce qu'il fait. Oh non, 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 il peut pas, il peut pas. Il est trop lourd, il est trop lourd. Il est trop lourd. Oh, il est trop lourd là pour le chokeslam. Et les coups de coude qui viennent contrer. Oh, le coup de boule! Brodus Clay! Eh oui, c'est vrai que c'est l'assistant d'Alberto Del Rio à cette époque. J'ai complètement oublié. Attention! Brodus Clay, l'enfourchement! Le running power slam, non, c'est contré! Oh, attention, Kane! Kane qui va éliminer Brodus Clay à lui tout seul! Kane qui élimine Brodus Clay à lui tout seul! Eh oui, forcément! Il est tellement gros, tellement grand que il peut pas se retenir aux cordes. Hein. Oh mon dieu, Brodus Clay éliminé tel un malpropre par Kane. On voit encore du Tyler Rex. Oh, il y a Captain Charisma qui était... Oh, attention, Kofi Kingston! Kofi Kingston! Kofi Kingston! Kofi Kingston avec Wade Barrett! Oh non, c'est contré! Non, 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 Kofi éliminé! Kofi Kingston éliminé par Wade Barrett. Et là, Yoshitatsu qui tient. Vraiment, c'est le moins favori de tous. Il y a encore Yoshitatsu. Justin Gabriel, Tyler Rex et Chris Masters qui ne sont pas du tout favoris. Et il y a Wade Barrett, Kane, Rey Mysterio, Jack Swagger et Christian qui était favori dès le début. Yoshitatsu avec ses low kicks. Ah ben voilà, Yoshitatsu, je pense qu'il va partir, non? Que fait Rey Mysterio dans cette position très dangereuse, même s'il n'est pas passé par-dessus la troisième corde? Très intelligemment. Non, il voulait faire quelque chose, mais il a vu que c'était pas possible. Donc il est revenu dans le ring. Et Christian qui se fait matrailler par Tyler Rex. Oula, low kick. Et attention, Kane, mise en danger par Justin Gabriel. Si Justin Gabriel élimine Kane, ça sera un gros point fort pour sa carrière. Là, Justin Gabriel, et il va le faire. Et attention, Christian, Tyler Rex. Oh, Tyler Rex, attention, dans le poteau. Directement dans le poteau. Oh non, c'est... Oh, magnifique. Magnifique, l'expérience de Captain Charisma. Qui vient prendre la tête en quelque sorte et guillotiner Tyler Rex, et voilà. Oh, quel beau mouvement! Quelle belle prise! Et attention, Yoshitatsu qui est vraiment impressionnant dans ce match. Mais attends, ouais, voilà, c'est fini pour Yoshitatsu qui a fait un très bon parcours quand même. Franchement, bien joué à lui. Attention, oh, et Kane avec un coup d'avant-bras. Oh là. Il vient de calmer Jack Swagger. Oh, le coup sous la glotte de la part de Kane. Attention, projection dans le coin opposé. Et Kane qui va partir. Non, c'est contré par un coup de pied de Justin Gabriel. Oh, il a tenté une sorte de DDT, mais c'est contré. Oh, double choke slam.
Non. Les deux membres de The Core. Attention, voilà. Oh, magnifique. 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 De la part de The Core, Justin Gabriel et Wade Barrett. Magnifique ce qu'ils viennent de faire. Éliminer le favori de ce match. Et ils vont faire alliance. Ils vont faire alliance les deux seuls membres restants de Core. Je vous rappelle qu'Ezekiel Jackson et. Comment s'appelle-t-il? Heath Slater ont été déjà éliminés. Attention, Quizmasters. Je sais pas s'il va vraiment pouvoir faire le poids face à Wade Barrett et The Core plus précisément. Attention, si, si, non. Quizmasters qui passe par-dessus. Attends, une corde. Mais le Master Lock! Le Master Lock! Une fois que cette prise a été en quelques secondes. Non, c'est fini. C'est fini pour voilà, Quizmasters avec le Big Boot. Oh, oh! Justin Gabriel! Justin Gabriel qui élimine son patron Wade Barrett! Oh, et oui, très bien joué de la part de Justin. Il s'est rendu compte que c'était un moment important du match. Et c'est un match solo. Oh là là, quel retournement de situation. Il a surpris tout le monde. Justin Gabriel est là. C'est le carré fatal. Trois favoris dès le début et un et une grosse, grosse surprise. Il y a Captain Charisma Christian de All American American, Jack Swagger. Rey Mysterio est l'homme qui trahit son patron Justin Gabriel très intelligemment. Il ne l'a pas fait au début du match comme font certaines équipes. Là, il l'a fait quand c'était un moment très important du match, très intelligemment. Bravo à Justin Gabriel. Mais attention, Jack Swagger est mis en danger par Captain Charisma. Ils ont choisi leur cible. Justin Gabriel va s'en prendre à Ray, les deux voltigeurs. Et Christian va s'en prendre à Jack Swagger alors que Justin Gabriel vient de mettre un reverse kick magnifique à Ray Ray. Attention. Oh, la planchette. Non, c'est contré. Oh, attention, la planchette. Oh, attention, attention, attention. J'avais dit qu'il pouvait pas le placer, mais si je suis bête, je dis n'importe quoi. Oh non, 6-1 est bien contré par Justin. Très impressionnant dans ce combat. On l'attendait vraiment pas. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Un pedigree, non. Attention, un powerbomb. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, c'est Justin qui est éliminé. Dommage pour lui. Justin Gabriel est éliminé encore une fois de cette manière. Ray Ray, c'est vraiment une manière qu'il apprécie. Il en reste 3 et là, c'est du très lourd. Jack Swagger, Christian, Ray Ray et Christian face à Ray Ray pendant que Jack Swagger récupère. Oh, Ray Ray, Springboard Crossbody! Et attention, Jack Swagger qui élimine! Non, si, si, non! Il revient dans le match. Jack Swagger, que va-t-il faire? Oh, bien joué de la part de Ray Ray! Qui va monter sur la troisième corde. Non, ça c'est très dangereux. Par contre, dans une bataille royale, tout comme dans un Rumble. Oh! Oh, je sais pas, le ciseau de tête à la volée, excusez-moi. Oh, et Michael Cole! Michael Cole qui vient sauver son ami! Oh. Et c'est lui qui se prend le 619! Eh oui! Michael Cole qui vient sauver son ami. Et là, Ray, je pense pas qu'il ait apprécié. Mais il n'est pas passé par-dessus la troisième corde. Je vous rappelle qu'il est passé entre la deuxième et la troisième. Et regardez. Intelligemment, Jack Swagger qui le ramène dans le ring. Mais regardez, regardez Ray Ray avec la planchette, la planchette, la planchette, la planchette. Non, 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 oh, Jack Swagger. Oh, oh, Ray Ray, oh, Ray Ray. Ray Mysterio éliminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Jack Swagger a contré le mouvement de Ray Ray. Et ça a été Ray Mysterio éliminé. Et là, Jack Swagger face à Captain Charisma Christian, qui va récupérer la chance d'avoir un match contre Alberto Del Rio pour ce titre poids lourd. Oh, attention, Jack Swagger qui est prêt. Jack Swagger, il y va pour la Swagger. Non, c'est contré. Oh, bien, bien, oh non, fallait pousser complètement, dommage. Fallait prendre par surprise Christian. Oh. Il s'agrippe au corps de Jack Swagger. Oh, le coup de coude, le coup de poing maintenant. Les droits dans la face de Captain Charisma. Et là, Jack Swagger qui revient dans le ring. Que va-t-il se passer? Jack Swagger, oh, ce coup de pied! Qui vient directement calmer Christian. Mais quel coup de pied de la part de Jack Swagger. Il a calmé tout le monde. Le Jack Swagger, là. Attention, Jack Swagger.
Excusez-moi. Attention, les coups de coude dans la face de Jack Swagger. Oh! Oh, cushion. Oh, attention! Le angle lock, je sais plus comment il a, le Patriot lock, pardon. Je ne sais plus comment il appelait ça, lui. Le Patriot lock porté par Jack Swagger, c'est sa prise de soumission, mais elle est un peu mal portée parce que Christian n'est pas comme il faut, en tout cas pour Swagger. Oh, bien joué de la part de Captain Charisma qui a vraiment de l'expérience et qui a eu l'habitude dans sa carrière de se prendre des Patriot lock, des angle lock, comme vous voulez l'appeler. Attention! Que va faire Swagger? Non, c'est contré par Christian. Et attention, 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 Swagger, éliminé, Swagger. Oh non. Ouf, contré avec un coup de coude. Oh, et encore un coup de pied d'une violence inouïe de la part du All-American-American. Oh mon Dieu, quel coup de pied porté par Swagger. Oh, et attention, j'ai bien l'impression que c'est la fin pour Christian. J'ai bien l'impression que c'est la fin pour Christian! Et non, l'expérience des Rumble, l'expérience des batailles royales pour Captain Charisma, même si il n'a jamais gagné de Royal Rumble. Mais par contre, son frère Edge, lui, oui. Oh, et Del Rio! Del Rio, que fait-il? Que fait-il? Il lui retire la jambe pour que Swagger l'élimine plus facilement. Oh non, c'est. Non, non, franchement, non. Oh, bien joué de la part de Captain Charisma. Et voilà, et voilà, et voilà Captain Charisma Christian qui gagne sa chance pour le titre poids lourd. Va-t-il devenir pour la première fois World Heavyweight Champion? Il me semble que ce sera TLC qui affrontera Alberto Del Rio dans un title match. Et c'est juste fou. Captain Charisma qui affrontera Albert. Et voilà son frère Edge qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça à cette époque-là. Derated Superstore. Edge qui vient féliciter son pote. Waouh! Franchement, quelle victoire de la part de Christian et Edge, qui est fier de son frère, qui va peut-être pour la première fois devenir champion du monde poids lourd. Je vous rappelle que Edge et Christian formaient une équipe dans le passé et ont été à de multiples reprises champions par équipe, et que il a dû prendre sa retraite pour cause de blessures très graves. Et là, Christian qui veut prendre ce titre à Alberto Del Rio. Merci, c'était Rivnanix. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si ce nouveau concept vous plaît. Allez également vous inscrire pour le catch la vie. Et moi je vous dis bye tout le monde.